Salut les pangolins! Chaque semaine, j'essaye de vous sortir une grosse vidéo sur le thème du survivalisme. Et bien ça tombe bien, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. On va parler d'un sujet très important dans le monde du bushcraft, de la prévoyance, de l'autonomie, dans le monde de la survie. J'ai mis du temps avant de me lancer dans cette vidéo parce qu'il fallait que je me prépare, que je n'oublie pas des détails parce qu'on va voir beaucoup de choses, donc prenez un crayon et des notes. Il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je me suis attaché les cheveux. Attention, là, ça rigole plus. J'ai mis mon pull de survivaliste avec les coudes renforcés, histoire de survivre un peu plus longtemps en pleine nature. On va pas faire une vidéo dans le bunker. Comme vous pouvez le voir, j'ai rapproché mon véhicule. On va partir à l'aventure. Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui m'a été beaucoup, beaucoup de fois demandé. Les amis, on va enfin voir comment constituer un sac de survie. Les affaires qu'il faut mettre dedans, celles qu'il ne faut pas mettre. On va parler de la règle des 5C. Qu'est-ce qu'il vous faudra pour survivre le plus longtemps en pleine nature? Aujourd'hui les amis, je suis généreux avec vous, on ne va pas voir un sac de survie, mais trois. Le DC, le kit d'évacuation et le sac de bushcraft standard, le sac de survie. Le sac de survie qui pourrait aussi être une sorte de sac de rando plus plus. Il y a beaucoup de choses à voir, ça va être long. Peut-être que cette vidéo sera en plusieurs parties, je sais pas encore. Parmi les trois sacs que je vais vous présenter, dans une sorte de vidéo fourre-tout, chacun d'eux ont des rôles bien précis et des durées dans le temps particulières. Le DC, Everyday Carry, ce sont les objets du quotidien que vous porterez toujours avec vous. Ils peuvent vous aider en cas de difficulté, mineure ou même majeure. Donc on peut pas vraiment parler de longue durée, vous les avez tout le temps sur vous. Et ça vous permettra d'amener un peu plus de sécurité et de confort dans votre urgence potentielle, dans votre survie. Le sac d'évacuation, lui, est plutôt un sac qui vous aidera à tenir 72 heures. 72 heures, c'est l'équivalent de 3 jours. 3 jours, c'est simple, c'est le temps maximum qu'on peut vivre sans eau. Donc pendant ces 3 jours, votre but, c'est de survivre, c'est de tenir, c'est de vous construire un abri, de signaler votre présence, parce que comme son nom l'indique, un sac d'urgence, un sac d'évacuation, il n'est pas permanent. Il va vous être utile pendant un certain laps de temps, en attendant que la situation s'arrange. Ça peut être une inondation, un tremblement de terre, un raz-de-marée, une tempête, bref, des catastrophes naturelles, un feu, ou que sais-je, vous avez dû fuir de chez vous de manière précipitée. Voilà à quoi sert un sac d'évacuation. Et donc, le troisième sac qu'on va voir aujourd'hui, c'est simplement un sac pour partir, vivre plusieurs jours, plusieurs semaines dans la nature, en pleine forêt, et mettre en place sur le long terme un camp sur lequel, idéalement, on peut devenir autonome et survivre le plus longtemps possible. Donc, dans le sac que je vais vous montrer ici, il me manque 2-3 objets un peu de base, un peu standard. Je vais directement en parler maintenant. Il me manque mes panneaux solaires parce que je les ai pas avec moi. J'ai des petits panneaux solaires qui permettent de recharger des petits objets numériques tels que mon téléphone portable ou mon drone. C'est tout. Vu que ça fait pas partie des trucs ultra importants à la survie, ça va, on peut s'en passer. Je referai une vidéo sur les panneaux solaires, transportables bien sûr. Et l'autre truc que je n'ai pas avec moi, ce sont des pastilles de décontamination d'eau pour purifier de l'eau et la rendre potable, consommable en tout cas. Mais ça, c'est pas très grave parce que lorsqu'on a de la connaissance, il y a 10 000 moyens de purifier de l'eau sans avoir ces fameuses pastilles. Mais quoique, attendez, je vous dis peut-être des conneries, il me semble que j'en ai en plus des pastilles. Bon, bref, allez, je vais vous montrer comment je constitue mon sac, pourquoi je prends telle et telle chose. On va parler également de la règle des 5C. C'est un moyen mnémotechnique de savoir ce que vous ne devez pas oublier dans votre sac. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, trêve de blabla, on va commencer à parler de l'EDC. Alors, pour commencer, on va voir ce que c'est l'EDC. Everyday Carry. En gros, ce sont les objets du quotidien qu'on a toujours sur soi. Ça, vous l'avez déjà sur vous sans même le savoir. Quand vous sortez de chez vous, qu'est-ce que vous prenez toujours avec vous? Le téléphone portable pour commencer. Généralement, vous avez aussi vos clés de maison. Chaque EDC se constitue de manière personnelle. Tout le monde n'aura pas exactement le même, il n'y a pas un modèle prédéfini d'un EDC parfait. Oh, je sens que je vais me prendre un putain d'orage dans la tête. Donc voici, moi, ce que je rajoute à partir de maintenant, et qui peut différer en fonction de chacun. J'ai toujours sur moi un briquet, avec, comme vous pouvez le voir, du scotch enroulé autour. Ça me fait un peu un objet deux en un. Il y a une tempête qui arrive, les amis. Ok, c'est grosse tempête. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je rentre. Annulation de la vidéo.
Bon, j'ai dû venir me réfugier dans mon bunker sauvage parce qu'il y a une tempête qui est arrivée. Gros vent, grosse pluie, même grêlon. J'espère que le potager du survivaliste dehors va pas prendre trop cher. Ça compromet un peu mes plans, je voulais vous montrer mon sac, j'avais prévu plein de projets, partir à l'aventure. J'avais même sorti mes grosses rangers pour l'occasion. Tant pis! On va se concentrer exclusivement dans cette vidéo sur l'EDC. De toute manière, ça m'arrange, le destin lui-même, Dieu en personne, est venu me dire que ma vidéo, ça allait être de la merde si j'allais faire un truc trop indigeste, un fourre-tout pas possible. Donc, j'écoute les éléments naturels, ça c'est une bonne technique de survie, écouter la météo, écouter les synchronicités aussi, les hasards de la vie. Et donc, je vais simplement parler des EDC aujourd'hui. Ah, alors on va d'abord faire une petite expérience. On va voir ce qu'il nous raconte dans ce petit manuel, la petite voix, manuel de méditation, une pensée quotidienne, une lecture par jour, par rapport à la pluie. On est quel jour aujourd'hui? On est le 29 avril. Il n'est pas facile de tendre l'autre joue lorsque quelqu'un te frappe, en parole ou en acte. Ça me concerne direct, moi qui réponds toujours aux commentaires négatifs. La réaction immédiate est de frapper en retour. Mais c'est là qu'on doit surveiller ses réactions avec le plus grand soin et mettre en pratique le contrôle du soi et l'oubli total de soi. Les âmes qui n'ont pas appris l'autodiscipline rendront coup pour coup et se sentiront justifiées à le faire. Et puis elles se demanderont pourquoi il y a tant de chaos et de confusion dans le monde. Elles sont tellement aveugles qu'il leur est impossible de voir que tant qu'elles n'ont pas appris à changer entièrement leur façon de voir et commencer à aimer leurs voisins comme elles-mêmes, qu'elles ne peuvent espérer changer ce qui se passe dans le monde. Plus il y a d'amour et de bonne volonté, plus les changements viendront vite. Mais tout commence en toi. C'était la petite voix, lecture quotidienne. Ça fait longtemps que je vous en avais pas lu, j'essaye de lire une à chaque fois dans ces vlogs. C'est une petite graine qu'on plante, maintenant faut la laisser germer. Pensez à tout ça, réfléchissez. Bon, là en l'occurrence, ça parlait pas trop de la météo, mais en même temps il allait pas écrire il y a une météo. Mais si, ça parlait de la météo intérieure, de la tempête et des sentiments contraires qui explosent en nous et qui surgissent des fois de nulle part. Comme un gros nuage gris qui vient assombrir mon bunker sauvage, mais me remettre les idées en place. Le vent chasse les nuages, l'amour chasse la haine. EDC, Everyday Carry, les objets du quotidien que vous avez toujours sur vous. Portable, vous l'avez toujours sur vous. Clé de baraque avec un porte-clés corse pour savoir que vous êtes fier de vos origines et que même si vous n'êtes pas 100% corse, vous appréciez l'île de beauté car c'est tout simplement le meilleur et le plus beau pays du monde. Moi ce que j'aime là-bas c'est la mentalité des Corses quoi. Si t'es pas content, ils t'emmerdent. Point. Les caractères forts, les Corses, les Bretons, les Basques, l'Occitanie. Défendons vos valeurs, défendons vos terres. EDC suivant. Briquet avec du scotch tout autour. Ce scotch, il est à la fois bien, à la fois pas bien. Il est bien parce qu'il est extrêmement puissant, il colle vachement. Et il est pas bien parce qu'il est extrêmement puissant, il colle beaucoup trop. Du coup, ça fait que même là, pour choper un truc, sans l'arracher, c'est un peu galère. Le scotch sert à plein de choses. Rafistoler un bout de plastique qui aurait pété sur un de vos objets. Le scotch sera très peu utilisé dans la confection d'un abri. Vous n'allez pas, avec du scotch, fabriquer une cabane. Par contre, si vous êtes en ville, en milieu urbain, vous pouvez toujours réparer de petits objets. Qu'on peut s'en servir pour faire des pansements, des garrots, des bandages. On peut également hermétiser, rendre hermétique certains sacs, certaines poches qui auraient été trouées. Bref, le scotch a de nombreuses fonctionnalités. On peut même s'en servir pour démarrer un feu. En autre objet que j'ai tout le temps sur moi, un tout petit kit de survie. Celui-là, je pense que je ferai une vidéo complète sur ce kit-là parce qu'il est vraiment efficace. J'ai même derrière des signes et des gestes à faire lorsqu'un, par exemple, un hélicoptère survole la zone. Ça veut dire yes, ça veut dire no, ça veut dire qu'on a une radio et qu'on peut donc être contacté. Bref, différents signaux à faire pour être compris de loin à distance. À l'intérieur duquel on retrouve un fire steel, c'est tout simplement un moyen de faire du feu. Voilà, vous frottez, ça enverra une étincelle qui permettra d'embraser votre foyer de base. À l'intérieur de ce petit kit, il y a également des notices pour faire du feu avec un arc à enroulement, construire des abris facilement, comment faire des signaux de lumière pour appeler au secours, comment faire un feu de signalisation, voilà, se protéger, faire du feu, les abris. Il y a également la navigation, comment se repérer en pleine nature avec les étoiles, le soleil, l'ombre, comment purifier son eau, comment retrouver des sources, comment faire des pièges et des collets, très intéressant. Ils nous apprennent certaines formes de nœuds. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce petit kit de survie? On a un sifflet pour appeler au secours, faire du bruit, se faire repérer. On a une pochette hermétique dans laquelle je peux ranger des petits objets électroniques afin qu'ils ne prennent pas l'eau, ou tout simplement y ranger des allumettes qu'on a également à l'intérieur, des allumettes tempête qui résistent à grand vent. Donc ça, vous pouvez les allumer un peu dans toutes circonstances. Elles ont un énorme bout rouge avec beaucoup de soufre et précisément vous pouvez les ranger là-dedans comme ça, si vous tombez dans l'eau ça sera pas mouillé. À savoir que toute la sacoche elle-même est déjà imperméable, mais on sait-on jamais. On a de la paracorde, c'est de la ficelle tressée, donc
très solide, très résistante, qui va permettre de fabriquer des abris par exemple. L'avantage d'une ficelle qui est tressée sur elle, c'est qu'on peut la détresser pour récupérer des bouts plus fins et donc avoir encore plus de cordes, de ficelles, pour fabriquer des abris, pour aller à la pêche, pour fabriquer des pièges. On a un couteau classique à cran d'arrêt. Pourquoi je me coupe? Je viens de me couper sa mère la pute. J'espère que ça vous fera rire au moins. Ah putain, ça m'a bien niqué. Alors on a un petit bout de coton et on a de la ficelle. Ça ressemble à de la ficelle dentaire. Elle est assez fine qui permet justement de fabriquer des collets, des pièges pour trouver de la nourriture ou simplement se faire une canne à pêche. Faut que j'aille me désinfecter. Si vous êtes survivaliste, pour désinfecter la plaie, pissez dessus. Bon, j'ai été mettre un pansement qui d'ailleurs j'ai rajouté dans cette sacoche. Voilà, donc dans ce mini kit de survie, je trouve qu'il manque 2-3 affaires, donc je vous montre ce que j'ai moi rajouté. J'ai rajouté donc, comme je viens de le dire, des pansements pour les bobos. Allô maman, bobo. J'ai rajouté du savon simplement pour se nettoyer. L'hygiène est importante pour également désinfecter justement des plaies ou des bobos. Privilégiez ce genre de petits savons durs que vous trouvez dans les chambres d'hôtel ou je sais pas où, plutôt que ceux qui sont comme ça en gel. Et là je parle pas de la chanteuse, balance ton quoi. Quelle connasse celle-là. Parce que ça, non seulement c'est plus lourd, ça occupe plus d'espace, de volume, alors que là il faut être minimaliste. Et surtout ça s'utilise extrêmement vite ça, ça part beaucoup trop vite. Ça vous en avez pour facilement plusieurs mois et suffisamment de quoi tenir pour en fabriquer vous-même. Je vous montrerai dans un de ces vlogs comment fabriquer son propre savon. Donc j'ai rajouté ça, j'ai rajouté des tampax de filles que je laisse exprès dans leur emballage parce que du coup ils sont hermétiques si je tombe dans l'eau par exemple. À savoir que c'est des tampons avec applicateur. Bon attendez, je vais vous montrer ça. C'est dommage que je n'ai pas une petite femme pour faire la démonstration là. Hein? Elle serait rentrée toute seule, elle serait sortie à deux. Hop, fécondée. Voilà, avec applicateur, pourquoi? Même si c'est pas très écologique. Le bout en plastoc protège du mieux de l'humidité et de la pluie. Et c'est un très bon moyen de démarrer un feu. En fait, vu que c'est du coton ultra comprimé pour que ça rentre dans la petite vulve des gens, et qu'après ça s'imbibe de sang, et bien quand vous saignez du nez, ça gonfle. C'est du coton ultra compressé. Donc en fait, vous pouvez, voilà, l'ouvrir, l'écarter. Putain, ça m'excite. Il serait vraiment temps que je retrouve une copie. Voilà, vous pouvez écarter le coton. Et là, ça, un coup d'étincelle dessus, ça part de suite. J'ai presque envie de tester, mais bon, c'est pas très sage de faire ça dans mon bunker. Mais bon, vous vous en fichez, vous voulez du buzz, c'est tout. Vous voulez du buzz. Ok, boomer? Vous, du moment qu'il se passe quelque chose, vous êtes content. Putain, je devais faire cette vidéo dehors à la base. Donc imaginez, vous avez des petites feuilles, des brindilles. Vous foutez ça au milieu. Alors, on peut faire tomber un peu de petites poussières. Yes! Voilà. Avec une étincelle. Et là, après, ben... Tu fous ça dans la chatte, après? Là, après, t'as plus qu'à mettre tes petites brindilles. Et puis même, comme vous pouvez voir, sur les tampons, il y a une petite ficelle que vous pouvez récupérer. C'est toujours très utile, un tampax. Et puis un tampax, ça peut toujours être utile si jamais vous saignez du cul. Si jamais vous rencontrez une survivaliste en plein bois et qui viendrait vous dire « Oui, aurais-tu des tampons ?» Oui, bien sûr. Allongez-vous, madame. Allongez-vous sur les brindilles, là. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans ce truc-là? J'ai rajouté également un petit sachet, encore une fois hermétique, dans lequel j'ai mis du coton. Vous savez, les cotons ronds là pour se démaquiller. Du coton pas rond, du coton juste qui vient d'un coton. Une petite botte d'allumettes standard. Donc voilà, j'ai mis un élastique autour, ce sont des allumettes classiques. Qui dit allumettes dit le petit morceau de carton pour les frotter. Elles sont pas spéciales tempêtes celles-là, donc il y a intérêt à les protéger correctement. Et deux types d'allume-feu, des carrés de bois ultra compressés, donc ça se trouve en commerce. Il est vivant celui-là. Voilà, donc c'est des petits carrés façon tablette de chocolat qu'on défait. On fout ça au feu, donc pareil, c'est pour démarrer des feux. Et également celui-là qui ressemble à des grandes allumettes. Ceux-là, je m'en suis encore jamais servi. Ils sont 100% végétaux. Il n'y a aucun produit chimique là-dedans. Il n'y a pas de truc au pétrole, à l'essence. Non, non, ça c'est juste du bois compressé. Parce que je tenais à quelque chose, à avoir quelque chose de pas toxique avec moi. Et je rajoute à l'intérieur de ça un petit sac poubelle. C'est toujours utile un sac poubelle pour jeter ses déchets, bien sûr, aussi pour voilà s'abriter, se protéger, s'asseoir. Vous pouvez hop défaire le sac, vous protéger le cul si vous êtes en pleine nature, faire un abri vite fait, mais en tout cas vous faire une pseudo capuche. Enfin, en tout cas vous protéger. Sac poubelle, c'est très important. Donc on remet tout ça à l'intérieur, le feu, les tampax de survie,
Moi, je vais t'en fabriquer les tampax façon bushcraft. Tu vas voir que... Je vais te ramasser un peu de mousse et de lichen. Avec de la sève, je vais te colmater tout ça sur une brindille. Crois-moi que non seulement tu auras plus tes règles, mais tu les auras plus jamais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que là-dedans, je rajoute aussi des préservatifs. XXL de préférence, parce que j'ai une grosse bite, comme tous les survivalistes. Non, plus sérieusement, bon, le préservatif, pour son usage premier, vous le savez très bien, empêcher l'espèce humaine de se reproduire parce qu'il y a de plus en plus de débiles. Et deuxièmement, c'est très utile pour vous en servir comme contenant. C'est très résistant, donc c'est du latex. Vous pouvez transporter des choses, vous en servir comme petite poche, par exemple pour mettre votre téléphone portable à l'intérieur et faire un gros nœud si vous voulez traverser une rivière. Bref, préservatif, très important. Pas une capote là, que ça remplacera pas une femme, mais on n'en est pas loin. Préservatif, on dirait une trousse de psychopathe. C'est plus un truc de survie, c'est un truc de mec en chien, quoi. Un mec en chien, c'est un pléonasme, hein. Tous les mecs sont plus ou moins en chien. Pas notre faute, c'est les hormones. Bon, moi, je connais des femmes, elles sont pire que les hommes. Hein. Juste que bon, elles le disent moins souvent, elles sont mieux élevées, voilà. Mais quand il s'agit de foutre la tête dans le coussin, là, il n'y a plus d'éducation, là. Hein. Là, d'un coup, on est plus féministe, hein. Scandaleux, en fait, vous suivez le bigard du survivalisme, quoi. L'intérêt d'un Fire Steel, les amis, comme vous pouvez le voir, ça fait des étincelles. Mais c'est qu'en fait, ça, c'est si ça tombe dans l'eau, on s'en fout. Vous pouvez vous en servir immédiatement derrière. Le principe d'un Fire Steel, ça, cette petite barre, c'est simplement une barre de magnésium. C'est ce qui va créer l'étincelle. Et ça, c'est un grattoir. Ça, on s'en fout de la matière. Mon autre Fire Steel, mais là, je l'ai pas là, je le faisais avec du silex. Vous prenez du silex et une barre de magnésium, ou de la magnésite, qui peut être une pierre et qui se trouve près des rivières. Vous frottez votre silex et la pierre de magnésite pour faire des étincelles. Vous pouvez également gratter pour faire tomber un peu de poudre sur votre combustible de départ, afin que ça s'embrase un peu plus au moment de l'étincelle. Donc, une barre de magnésium qu'on emboîte là-dedans. Déjà, toi, déjà celui-là, il est pas terrible parce que c'est pas censé se défaire, le bordel. Donc, voilà. Un grattoir ou un couteau, ce que vous voulez. Moi, je l'aime bien celui-là parce qu'il a un côté décapsuleur et en même temps ouvre-boîte. Ça peut toujours être utile si jamais on veut faire l'apéro avec les écureuils. Donc, le Fire Steel ou pierre à feu, au fait. Hein. Le mot français, c'est pierre à feu. Donc ça fait une sacoche quand même bien pleine. Profite de cette vidéo pour remettre un peu à jour... Ah si, ça rentre. Là, c'est pas mal, ça. Le seul truc que je n'ai pas là-dedans et que je pourrais rajouter, j'ai de la ficelle pour faire des cannes à pêche ou des pièges. J'ai pas d'hameçon. En vrai, il faudrait que je prenne un ou deux hameçons, des genres de cuillères qui permettent de pêcher. Comme ça me permettrait de pas avoir à en fabriquer une moi-même. Après, ce qui est un peu galère, c'est que l'hameçon, il pourrait percer en le mettant dans le sac. Il pourrait percer les autres éléments. Donc il faudrait faire un système de protection autour du pic. Voilà pour ce mini kit de survie. Très compact, très petit, très utile. Ensuite, dans votre DC, vous pouvez rajouter des sopalins, des mouchoirs. C'est toujours utile. Que ce soit pour vous moucher, soigner les blessures, vous torcher. Également, vous fabriquer des masques si besoin. Ça peut également servir de petit combustible si on n'a plus de coton ou ce genre de choses. Dans votre DC, vous pouvez... Est-ce que ça filme toujours? Je parle tout seul comme un con. Dans votre DC, le porte-monnaie façon grand-père. Avec l'argent des abonnés à l'intérieur, faites des dons sur Tipeee. Le porte-monnaie, c'est un coup classique, tout le monde a son porte-monnaie sur soi. Je me suis également rajouté un Zippo qui permet de zipper. Donc pour mettre de l'essence, on imbibe le coton qui est en dessous avec de l'essence à briquette, l'essence à Zippo. Donc c'est aussi ce qu'on appelle un briquet tempête. Il faut toujours avoir plusieurs sources pour créer du feu. J'ai une clé USB tout le temps sur moi, ça peut toujours être utile, sur laquelle je mets simplement mes documents importants, type carte d'identité, passeport, facture EDF. Non, vous voyez, ce genre de papier qui peut toujours être utile, même un RIB, vous voyez. Permis de conduire aussi, vous pouvez même scanner votre carte vitale, enfin vous voyez, ce genre d'informations qui vous concernent, que vous n'avez pas en format papier. Ça, j'en avais déjà parlé dans un vlog précédent, j'ai toujours avec moi cette écharpe, elle me suit partout. Elle a été tricotée main et elle m'a été offerte, donc c'est un rond de cou, et ça sert à plein de choses, comme je l'avais dit, vous pouvez vous en servir en écharpe, tout simplement pour vous protéger. Également en masque, en le montant comme ça. Donc voilà, ça vous protège le cou. Vous pouvez également vous la mettre en mode prépuce, dark prépuce. De cette manière, je peux dormir, ça me tient chaud au cou, à la tête, et ça me protège de la lumière. Ou tout simplement en mode reggae. Eh mon gars, ah ouais mon gars, on va faire du feu dans les bois. Eh mon gars, on va écouter du ska mon gars. Tu connais la psy-trans, ma mène. Bref. Toujours utile, et en bonnet aussi pour les oreilles. Ça, j'adore ce truc là. Ça, c'est une petite barrette. Ça fait partie des trucs que j'ai tout le temps sur moi quand mes cheveux m'emmerdent. Pam, barrette à cheveux. Mon Opinel de la marque Opinel Carbone, c'est-à-dire qu'il coupe ultra bien. Par contre, il rouille, donc il faut faire gaffe à cela. Une casquette, je la trimballe partout. C'est pas vraiment nécessaire à la survie, mais j'ai toujours une casquette avec moi. C'est mon côté Goonies. En parlant du côté Goonies,
J'ai également des mitaines, pareil, me suivent absolument partout en fait, ces mitaines. Parce que quand t'as froid aux mains, mais pas trop, voilà, tu peux réchauffer, mais avoir encore... Et voilà les amis, pour cette première partie de la vidéo, je vais m'arrêter ici. La vidéo est encore longue, là vous êtes simplement à la moitié. Au final, elle dure 40 minutes, donc j'ai préféré la séparer en deux parties. Là, vous venez de regarder la première partie, et demain sortira à 20h la seconde partie. J'ai été interrompu dans la vidéo que vous venez de voir par un coup de fil, donc j'en ai profité pour arrêter la première partie ici. Que de suspense, que se passe-t-il? Qui m'appelle? Pourquoi? J'espère que ça vous passionne, la deuxième partie, je rentre dans plus de détails, il y a encore beaucoup d'objets à présenter. Et en fait, je vais même plus loin que simplement le décès. On parle carrément du sac d'évacuation. Donc en fait, c'est presque deux vidéos en une. Voilà, donc désolé pour cette coupure un peu brutale. Rendez-vous demain pour la seconde partie de le décès et sac d'évacuation. Rendez-vous à 20h sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.